Mes amis, aujourd'hui, nous allons parler de la femme agréable, de cette femme que tout le monde aimera voir dans sa maison comme son épouse. Cette femme agréable est ce chrétien, cette chrétienne qui fait la volonté de Dieu parmi tant de bonnes choses est écrit. Proverbe 31:16. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Donc vous devez examiner une promesse et l'acquérir. C'est cela qu'il faut faire. En payant? Non. En priant, recherchant, et quand elle sera à vous, vous allez louer Dieu. Et du fruit de ses mains, elle plante une vigne. Elle ne veut dire pas que quelqu'un la plante pour elle, non. Elle-même veut travailler. Cela, c'est très beau ce que Dieu nous donne pour notre vérité. Soyez cette personne qui satisfait le Seigneur Dieu, comme celle-ci qui va donner son témoignage. Ma sœur, de quoi vous souffriez? D'une douleur dans le dos et à cette jambe, comme séquelle d'un AVC. Et de plus, vous marchez en boitant? Oui. Imitez comment est arrivé ici aujourd'hui. Comme ça. À présent, mettez-la. Dans la voiture, elle allait si mal que nous l'avons fait sortir de la voiture comme ça. Vous la preniez par le bras? Oui, comme ça. Pour l'amener? Elle est venue en disant, de plus, Dieu, je dépends des autres. J'ai dit, alors non, aujourd'hui, c'est un jour de bénédiction. Que c'est beau. Vous la connaissiez déjà? Oui, déjà, elle fait partie de notre église. Mettez-la sur l'épaule ici. Allez-vous-en. Allez-vous-en toute seule. À présent, je prie avec vous. Père, merci beaucoup. Dieu, nous voulons examiner une propriété et l'acquérir avec notre foi. Nous voulons planter une vigne avec notre main, ô Dieu, avec sacrifice, pour que nous disions, cela, c'est le produit de ma foi. Donc j'ordonne que tout mal sorte de cette personne et je dis, va-t'en d'elle, au nom de Jésus, et vous dites, Amen.